Bonsoir et nous comptons pour là encore une fois avec vous dans le cadre d'Haïti Décision 2016. Haïti Décision 2016, c'est une émission que l'association Média dans le studio à Metz a mis sous pied pour permettre qu'on ait candidat qu'on ait ça dans un programme ou bien diakoutio et permettre que vous arrivez à faire un bon choix lorsque vous voter dans l'élection que le Conseil électoral provisoire là et après le faire le 9 août cap vini là. Alors je dis encore, nous comptons là avec vous dans le cadre de la série de débats qui a continué avec candidat. Nous prenons un coup de pause et l'entonner, c'est pour avec invité dans le cadre Haïti Décision 2016. Une fois, nous comptons pour là avec vous, donc à soyons, c'est pour aller un peu différent. Pour qui ça? Parce que j'en vais pas le constater là, l'autre tribune, les vides jusqu'à la seconde que nous avons parlé là, l'autre candidat qui t'a supposé face à candidat que Ougué là, qui c'est M. Fritz Gérald Bourjoli, qui est même c'est candidat pour poste sénateur, lui normalement doué face à face avec Pétion Favard, candidat MAS, mais qui malheureusement, jusqu'à ce que n'a pas parlé avec vous là, pendant que vous avez suivi le débat là, eh bien, pas décidé de venir dans le débat. Pour qui ça n'est pas décidé de venir dans le débat, c'est point d'interrogation, pas aucune explication qui baille pour ça, puisque nous encore avons parlé avec lui avant même que le débat ait démarré, message sur message, appel sur appel, que ce soit tout l'autre candidat qui n'a même parti avec lui. D'ailleurs, il est président, le fondateur MAS, qui c'est Mouvement Action Socialiste, qui lui-même lui a dirigé, eh bien, il choisit pas paraître dans le débat pour qui ça. De toute façon, j'ai constaté là, eh bien, Serge Palla, il était vide et le candidat qui était en face, qui c'est Fritz Gérald Bourjoli, il a pris une question, est-ce que c'est pour président Massa, nous pas connaît, mais là, pour répondre, même type de question qu'il est supposé répondre face à face à M. Pétion Favard. Fritz Gérald Bourjoli, nous comptons que vous aurez été là et vous pourrez répondre à la question Haïti Décision 2016. Est-ce qu'ils sont chance pour vous-même dans ce sens-là, nous pas connaît, mais quand même, c'est vous-même qui pourrez répondre à la question face à Tribune Libla. Où c'est qui est exactement Fritz Gérald Bourjoli? Bon, avant mon bonne question, je vais quand même saluer téléspectateurs, téléspectatrices et auditoires là. Et rapidement, m'a dit que clairement, moi-même, moi c'est Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli. Moi c'est avocat, moi comptable, moi professeur, moi diplômé de l'École nationale de la magistrature, section des hautes études internationales sur la justice en France. Moi diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en relations internationales. Moi diplômé également de l'école de formation des avocats des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Et j'étais ancien commissaire du gouvernement pour le parquet du tribunal de première instance d'Aquin. Et moi passé deux mandats comme député, 48e et 49e législature. Et actuellement, moi c'est candidat au Sénat pour le département du Sud. Merci. Donc, autant des présentations, Fritz Gérald Bourjoli, candidat pour poste sénateur. Alors là, rapidement, nous pourrons demander candidat, puisque absence, l'autre candidat y va là. Et qui rôle en parlementaire? Le rôle en parlementaire, c'est pour légiférer. C'est-à-dire pour faire loi. D'autres termes, faire loi. Et le rôle en parlementaire, c'est contrôler le gouvernement, contrôler l'exécutif. Et attribution, constitution définie clairement.
et Wally, tout c'est les cas invités, les cas convoqués, les cas interpellés le gouvernement. Voilà en quelques mots le rôle de parlementaire. Mais si nous t'apprenons ça que vous dites là, nous t'avons mettre le sous tableau Haïti, est-ce que nous avons dit parlementaire là lui-même lui exactement jouer ou bien exécuter rôle ça que vous dites là? Bon, et dans le Parlement, et que à la Chambre des députés et au Sénat de la République, et il est question de la majorité. Donc c'est toujours aux majorités qui prend une décision. Et que au cas joint dans la Chambre, des députés j'approuve, des députés qui n'ont pas aucune compétence, et des députés tout, qui n'ont pas de job, tout, qui n'ont pas d'attribution. À ce moment-là, au cas où le travail a mal pour fait, et que lorsque le gouvernement lui-même, le monde qui l'a pour contrôler lui, lorsque c'est lui-même qui a contrôlé lui, et que à ce moment-là, au cas où il en chambre sous muet, au cas où il en chambre côté que, qui a représenté la population vraiment. Et ça me l'a dit, pour plus clair, lorsque la majorité, c'est la majorité qui a décidé, il y a une minorité, lorsque la minorité elle-même, il avait fait une convocation, il avait interpellé. Et qu'en gouvernement, c'est que les papes capables, les gens n'ont pas. Voilà, voilà, merci. Alors là, où tu es dans le Parlement, où tu es dans le 48e, où tu es dans le 49e également, et où tu es comment nous fonctionner, qui donc au niveau du Parlement. Est-ce que Fritz Gérald Bourjoli qui a dit, lui te sent-il fier pour te faire partie du 48e et 49e notamment? Pas du tout, parce que moi-même personnellement, c'était un plus gros problème, moi, parce que j'étais toujours à faire un pile effort que pour me défendre la population et dans le cadre de travail, moi, surtout parfois, les nouvelles faits, convocations, les nouvelles interpellations, lorsque nous ne pas marcher bien, lorsque nous faisons voter budget, nous n'avons pas qu'être l'argent pour payer, nous avons gagoté, gaspillé, le carnaval, font pas qu'être de bagaille, les pour convoquer ministre et que ou joindre président ou bien. Ministre chargé des relations avec le Parlement, qui a invité les députés dans le palais, il y a de bonnes propositions de loi qui sont dans la Chambre, et que, où est que, député Aboulotcho, sénateur Aboulotcho, et pas vivre dans la séance pour faire passer. Surtout, il y a une majorité qui va produire, qui va faire rien. À ce moment-là, ça va permettre que tout l'autre député qui veut travailler, minorité, vienne censé, il traîne, tant que le monde est dans la boue. Il vienne censé que le travail peuple n'a pas fait. Il y a des fois, m'arriver quand même et gourmet pour m'imposer, pour moi, empêcher aussi le budget qui compte peuple à passer en dedans. Merci. Alors là, Kounia, où tu es participé, où tu es élu, où tu es député, pendant deux fois, qui ça, qui motivation maintenant pour laisser député, puisque nous connaissons en question de trois mandats, en question de fonds de pension, qui ça qui désintéresse pour parler des pensions, ça, au préféré. Aller pour poste sénateur, qui est la principale motivation? Bon, moi-même, Georges, ça qui fait force point, c'est d'agir honnêteté, compétence point, personnalité, caractère, et je me donne un mot d'honneur. Je me dis oui, je me dis oui. Il y a un pile de monde qui dit que si on a le candidat pour député encore, il ne va pas passer. Je te dis que je me fais un bon sénateur, il a fait campagne moins, candidat au Sénat. Et il y a un pile député tout dans la Chambre qui te dit Bourjoli, pour que ça ou pas candidat au Sénat, ou tu as fait un bon sénateur. En plus tout, moi j'ai des propositions de loi fait qui votent à l'unanimité, ça veut dire tout député voté. Par exemple, c'est une proposition de loi sur l'appel de la décision du mise en détention du juge d'instruction qui a traîné dans le Sénat, qui n'a pas passé. Si le sénateur m'a pris le tiroir, m'a voté. Nous avons une proposition de loi qui fait. Et il faut des blancs communes, qui fait le quartier de Vieux-Boulin qui est commune, qui fait la colline quartier, qui vote à la Chambre des députés, qui a pris dans le Sénat, dans la même proposition de loi ça à tout, qui crée un nouveau département, le département du Sud-Ouest, pour rejoindre arrondissement des Coteaux, Chardonnière, les Anglais, jusqu'à Tiburon, venir au nouveau département et que cap traînait dans les tiroirs du Sénat de la République. Une fois que je suis sénateur, m'a pris aller dans les tiroirs pour nous voter. D'accord. Mais est-ce que là, où tu as senti vraiment travail que confrère Yo, il était honorable, Jean Quenot-il honorablement? Au contraire, à la Chambre des députés, on a toujours dit, et pas honorable dans la Chambre,
jamais se comporter, c'est des déshonorables que vous parce que par contre, trop bio, c'est mon qui a placé la tête sous les présidents, qui a placé la tête sous les premiers ministres, et qui peut défendre la population vraiment. Bon, là, qu'on y a, nous allons laisser y aurait avec vous, question, s'orgueillir, pour qui ça, que la population lui-même t'a supposé prendre le voto, c'est-à-dire qui ça, au gagné dans l'agenda, qui préoccupation en dedans, plan que vous-même vous êtes capable de gagner pour encourager les citoyens, la population, les mêmes qu'à voter. Vous avez 5 minutes pour ça, dit exactement qui sont gagnés dans Diakoto. Premièrement, c'est en militant, nous sommes capables de gagner depuis le commissaire du gouvernement et qu'on a été avec 90 000 dollars américains et que 90 000 dollars américains alors que pas de la guerre, on a fait pression, on a dit qu'on révoqué. Et dans la chambre, bah, preuve que nous sommes hommes qui sont honnêtes, on va voter la mort. Elle a profité 3,5 millions de gouttes pour être voté parce que le dossier n'est pas bon. Deuxièmement, le gouvernement a profité 2 millions de gouttes à chaque député pour être voté. Budget qui était contre le peuple, à savoir pour payer 1 000 gouttes, pour payer 1 000 gouttes, pour être bœuf, pour payer 400 gouttes, pour être cabrit. Et que pour un passeport, on fait 320 dollars, il dit que pour payer mais, 10 000 gouttes, et que mettez taxe du riz, sous l'huile, taxe sur plaque motocyclette, taxe sur plaque machine sans aucune explication. Moi, je dis que ça, comme député, m'a goûté contre lui, et m'a goûté contre lui, ne me fait pas passer. Et m'a gardé en plus, ça m'a proposé comme sénateur, m'a fait des propositions de loi, côté que pour maman petite, pour l'État aider maman petite, avec papa petite, avec mon papa de travail. Parce que, à ministère des Affaires sociales, il gagne pas 4 millions à gaspiller dans le carnaval, pas 4 millions à gaspiller dans le 14 mai, pas 4 millions à gaspiller d'acheter pas 4 machines, 80 000, 60 000 dollars américains, pas 4 millions tout à gaspiller dans le voyage, parce que comme cela se fait dans tous les pays du monde, et que le monde pas de travail, faut l'État aider, l'homme en petite, ou pas petit, ou pas gagné pour bailler ou pas de travail, l'État doit bon au cob. Et nous parlons de proposition de loi tout, côté que grand monde qui a 65 ans et plus pour l'État, pour le bureau, un bureau d'assistance sociale, pour l'État qui a payé un cob chaque mois. Tout comme maman petite ou papa petit qui n'a pas de travail, n'a pas demandé pour créer, n'a pas fait une loi pour créer un bureau d'assistance sociale dans chaque commune qui est républicaine, dans la République là, et que pour maman petite ou papa petit qui n'a pas de travail, qui a joué un cob pour toucher la main. Et l'État. Parce que l'État doit prendre responsabilité. Parce que là, nous dit l'État, c'est tout le monde qui a vécu dans le pays, hein, avec tout le pays d'Haïti. Mais l'État était seulement, c'est l'argent de l'État, c'est député, sénateur, Abolocho, et que président Abolocho, ministre Abolocho, monde qui dit aux ses amis présidents, qui prend pas 4 millions, et puis pendant l'élection, ils ont acheté la population avec du riz, ou bien ils ont bail cob, un pile cob, bail cob, et puis fait voter. Parfois, le monde n'a pas de compétence, il n'a pas de défendre tête, il n'a pas aucune compétence. Et puis, il vient à cob, et puis, lui, il a voté à ce moment-là, parce que le peuple a pas l'élection, acheté misère, et que il a acheté misère peuple à la main, et que lui-même, il a vendu misère, il a acheté misère la main, et puis ça permet que il a vendu dans la chambre des députés. Parce que faut ça pas fait, et nous avons l'autre proposition toujours, à savoir, salaire minimum, nous devons amender, et que l'organe des professeurs n'a pas qu'à toucher, et que faut nous augmenter salaire professeur, faut nous augmenter salaire policier, il faut nous prendre des salaires employés. Je veux dire, on ne peut pas prétendre que vous pouvez vivre avec 4 000 gouttes, 800 dollars par mois, et que vous avez petit, et que vous avez caille pour payer, parce que ça, le salaire est trop bas. Et c'est tout, que y a une pilote proposition que nous allons faire, tout coup, nous allons faire proposition pour créer une banque de crédit agricole, pour qu'on mette l'argent à la disposition des paysans, pour qu'on prête cob, pour acheter cabrit, pour faire élevage, pour acheter cob tout, pour prêter au cob tout, pour faire commerce, pour prêter cob tout, pour qu'on fait la terre produit. Et parce que ce n'est pas à taux d'intérêt élevé, mais à taux très bas, même petit chose qu'on paye comme ça demain. Parce que là, il faut nous mettre dans ça pour nous faire des lois directement qui touchent massa qui n'a misé, qui a vu nous miser, alors que pas 4 millions de gagotés. Merci. Donc, on a rappelé qu'on va suivre Haïti, décision 2016. On est capable de constater le soir à peine branché son radio ou bien à regarder en télévision. Nous avons candidat pour poste sénateur Fritz Gérald Boujoli, qui lui-même t'a adoré face à Pétion Fava qui a décidé.
pas présenté. Donc, Fitzgerald Boujoli lui-même, la prépondre une question, yo, même gens que Confrélie, peut-être candidat, est capable là, qui lui-même choisit briller par absence. Taléa, vous parlez de proposition de loi que vous gagnez, qui a dormi au niveau du Sénat. Alors, mis à part de deux propositions, ça, yo, nous allons essayer une question thématique d'abord avec justice là. Au gagné de propositions qui légalement sous affaires divisées en départements encore plus, question territoriale, et puis au gagné l'autre proposition de loi qui gagne ouais, avec question de la justice, tout. Arrivé au niveau du Sénat maintenant, puisque vous êtes député, est-ce que vous comptez aborder question justice haïtienne non, en cas où ou t'as vu un sénateur dans des propositions de loi qui sont différentes par rapport à la situation à évoluer dans le pays d'Haïti? J'aurais noté Goumé, noté augmenter le salaire magistral, et j'aurais noté Goumé, noté que CSPJ, et je pense que CSPJ a et que Gefaï Ladan, loi sur CSPJ a Gefaï Ladan, nous parlons amender et nous parlons. Nous voilà Mandel. Et il y a l'autre bagaille pour nous porter tout pour justice à Gamachi. Puis bien, ça veut dire que faut nous gagner une police scientifique. Cette histoire de, comme si l'on monte sur le monde, ou pas qu'à joindre, faut nous gagner une police scientifique. Côté que le fait qu'on joigne trace, le fait qu'on joigne 100 moun seulement, ou joigne côté moun a été touché, que le témoin est emprunté seulement, ça doit permettre que la police joigne coupable. Parce que ou ka, la police cap moun, et là, c'est moun qui tue moun, c'est lui-même encore cap montré la police, et que mes côtés moun a moui, alors que la police n'a pas aucun moyen pour lui, pour lui que c'est moun qui est coupable. Moi, je pense que, faudrait-il même que nous voyons les policiers nous informer. À côté de police judiciaire là, il faut une police scientifique et que les hommes mourent pour permettre que les jeunes qui est ce qui tuent. Parce qu'en pile, le monde finit mourir et puis il n'y a pas de justice parce que leur devant le juge là, pour bal menti, ou dit pas de jam moyen tel, ou dit pas de jam et balcou, ou dit pas de jam tuer, alors que le juge là lui-même, l'abgado ou bal menti. Alors que Mounsa, il y a ça pour nous mettre dans le casier judiciaire. Parfois, Mounsa, c'est un monde qui est condamné plusieurs fois, tué plusieurs monde. Mais le fait que pas gain informatique, et que pas gain de données informatiques, pas gagné casier judiciaire, pas gagné tout ça, Mdagadi, et que moyen à l'aide d'un point de monde, et que carte d'identification nationale, c'est encouragé de pourriver, quel que soit pays étranger, où elle reprend un point tout, et que le fait que y ait un point digital, maintenant, depuis le fond crime, et que y'a qu'à regarder, y'a qu'à qui est-ce qu'il fait. Merci. Donc là, où tu es ancien commissaire gouvernement, où tu es ancien président commission justice et sécurité au niveau de la Chambre des députés, est-ce que M. Fitzgerald Boujoli, comme ancien, comme avocat, bien entendu, comme ancien commissaire, t'a prononcé le tapou retour Santarelli, peine de mort dans le pays d'Haïti, si tu as gagné une proposition comme ça, tu as réparé par rapport à une série de gros crimes qui a commis ces jours-ci en Haïti? Bon, je suis contre la peine de mort et je me songe dans la mémoire de son témoin et que je me songe d'un auteur qui te dit que au monde vraiment, c'est quand on est en prison que la pugée peine. Et que la réfléchir sous salvaire que vraiment ou punir. Et que la peine de mort, c'est interdit par la Constitution. Et que moi-même, je vais voter pour la peine de mort. Mais plutôt, la peine d'être renforcée à perpétuité. D'accord, merci. Alors, la question de la médaïti, est-ce que Fitzgerald Boujoli pour à ce que c'est retour des forces de la médaïti, ou du moins, c'est une nouvelle force dans le pays? Bon, je pense que faut nous suspendre et faire hypocrisie, c'est que parce que faut nous pas comporter nous comme des hypocrites, quelle que soit force pour gagner, hein, les pas parler les forces américaines ni forces canadiennes, les parlons force armée d'Haïti, c'est pour dire que ou pral mettre des structures là-dedans, ou pral former mon lot pour pas venir, par exemple même j'ai avec force armée d'Haïti avant qui t'a joué et la police qui t'a arrêté mon bat mon, et que là moi pensais que je suis pour les forces armées d'Haïti, nous avons des frontières noires qui pour surveiller. Et je pense que, et je me songeais que l'ambassadeur Dufour, et que quitter professeur nous, et Ferry Dunto, qui est professeur à l'université de Sorbonne, qui a dispensé un coup pour nous, et que, et au centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, il a dit que pas grand pays qui force, c'est pas grand force armée. Et je pense que je dis,
et la République dominicaine n'a plus de respect pour nous si nous avons une force armée. Et que nous parlons, c'est que les mêmes dit, nous avons parlé par exemple des Nations Unies, où ils n'ont jamais pris aucune sanction contre les États-Unis, c'est parce que les États-Unis lui-même, ils ont une force armée et que le monde qui a dirigé le monde, pour diriger le monde pour puissant, il faut une force armée. Parce que je ne veux dire, le pays a mérité. Une belle force armée, ça permet que les jeunes noirs, les jeunes travaillent, ça permet que vous servez le pays. Merci. Et est-ce que là, c'est une première question diplomatique là, par rapport à la représentation Haïti à l'étranger, Fritz Gérald Beaujoli, il est satisfait de façon que Haïti lui-même lié dans l'autre pays? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et comme député, lorsque la République dominicaine et que les problèmes que la loi constitutionnelle a été passée, et que nous avons fait une délégation, nous avons fait la nous avons fait avec les députés dominicains, nous avons fait avec les hauts responsables de la République dominicaine, à ce moment-là, il était au moratoire. Il a dit, bon, qu'après comment il va résoudre ça. Et pas de gain, il a voulu retourner, pas de gain, mauvais traitement du tout. Et lorsque il était commencé, il dit que vous pouvez voir ici autour de la caillou. Nous avons commencé, nous-mêmes, comme députés, nous avons convoqué le ministre des Affaires étrangères là. Là, nous avons député, nous avons demandé pour le rappeler ambassadeur là. Et nous avons demandé tout pour prendre des mesures, côté que un paquet de produits et capté de manière illégale, comme sur la République dominicaine vient ici, nous avons dit que faut montrer la République dominicaine, nous pas content. Immédiatement, après commencer par la République dominicaine, t'es campé, de te comprendre tout, de te demander négociation. Parce que journée aujourd'hui, c'est faiblesse diplomatie, c'est faiblesse dans le ministre des Affaires étrangères. Surtout, j'ai une question qui fait que la République dominicaine a valé terrain sur nous comme ça. C'est que je pense que faut. Et parce que le nouveau gouvernement, il faut avoir un bon ministre des Affaires étrangères et que faut le Parlement lui-même, il faut traiter et il faut bien traiter et on sait de dossiers, surtout et dossiers diplomatiques avec la République dominicaine. Parce que si ce n'est pas ça, il y a tout joué, il y a toujours fait notre marelle. Alors là, dans quel sens, au même état, souhaiter que diplomatie haïtienne dans le même état dirige? Bon, dans le sens que le gouvernement lui-même a bali, parce que ce n'est pas moi qui ai ministre des Affaires étrangères là. Ministre des Affaires étrangères là. Comme sénateur, non? Oui, non, 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 comme parce sénateur. Que oublié, non. Comme on connaît, et c'est là, c'est lui-même qui gagne responsabilité pour qu'il est capable de ratifier les ambassadeurs. Oui, mais le sénateur pour le ratifier ambassadeur, mais c'est après ministre des Affaires étrangères là que lui-même lui fait nommer. Et que Sénat lui-même, il n'est pas ratifié, ministre. Merci. Donc, n'a pas rappelé que on va suivre Haïti décision 2016 en série d'émissions que l'association média dans le studio AMES a mis sous pied pour permettre qu'on connaît candidat yo arriver et dehors qu'on ait programme yo ça gagne en plan yo et puis permettre tout que on fait un bon choix là au même on pral gain pour développer n'a prend en courte pause n'a tenir tout à l'heure. Qui aura suivi Haïti décision 2016. Haïti décision 2016, c'est une initiative association média dans le studio AMES. Alors là, nous avec Fritz Gérald Beaujoli, candidat pour poste sénateur sud fusion, il était droit normalement en face Pétion Fava, qui lui-même fait politique. Est-ce que c'est politique chaise vide au niveau du Parlement? Bon, là, nous ne connaissons pas. Nous continuons avec Fritz Gérald Beaujoli. Nous allons parler de la question production nationale maintenant. Fritz Gérald Beaujoli est arrivé comme sénateur. Est-ce que déjà, vous avez un plan ou proposition de loi à ce niveau-là pour la question de la production nationale? Georges, avant de répondre à une question, il faut me dire que opérateur a été fait signe parce que les dinos campés. C'est parce que. Alors, tu gagnes 2 minutes tout également, tu gagnes 2 minutes. Oui, mais c'est parce normal. Que, mais parce que me dégagez tout. C'est question. Prochaine question. Je hein? Dis que le ministre des Affaires étrangères, là, c'est lui-même qui abat le ton. C'est l'ambassadeur, c'est politique.
et que le gouvernement il peut l'appliquer. Tout dépend de la politique qui pour l'appliquer. Il faut ambassadeur, il y a des compétences, le même que nous-mêmes, nous pouvons le ratifier. Il faut avoir des compétences pour faire le job là. Nous ne pouvons pas ratifier l'ambassadeur qui est incompétent. Et c'est parce que le Parlement n'a pas jamais ratifié aucun ambassadeur qui fait que tu es n'importe quel monde, qui fait que tout le bagage soit passé dans la diplomatie haïtienne. Je vais répondre à une question sur la production nationale. Allez-y. Ok. Sur la production nationale. La production nationale, là, je pense que faut nous avoir un bon ministre agriculture, un bon ministre de l'agriculture qui peut bailler le temps. Parce que d'après la production nationale, tout autant que NAPFEL et que paysan travaille avec, on sait, paysan c'est à l'aide de moyens. D'Acadi et rudimentaire ma caille que li a travail et que ou pas ka gain vraiment et production n'a ou pas ka parler de production nationale. Parce que c'est manger qui descend manger. Ça veut dire, si ou pas ba besoin moyen, toujours être avec un ou, la terre avec on se pète, fourni à modèle, faut nous apprendre, moderniser l'agriculture. Pour mettre les banques de crédit agricole à la disposition pour acheter pop, pour faire arrosage, parce que sans de l'eau, ou pas qu'à faire jardin, et que les paysans prêtent maïs et que le soleil tuile, les décourager, la ville, la vendre de l'eau. Mais parce que c'est manger qui fait descendre manger, c'est que tout le monde, la terre, si la terre a produit, la terre a bien mangé, les paysans ne peuvent quitter le pour la ville. Mais quand même, il faut nous faire paysans encadrés, agronomes, priorités dans les bureaux, avec col dans le cou, et ne pas jamais aller dans les sections communales et pour aller rencontrer les paysans. Comme on voulait, on a parlé de production nationale, quand paysans lui-même, c'est avec vous, il faut acheter des motoculteurs, il faut nous émettre, acheter des pompes, il faut nous battre paysans moins et tout, pour qu'on fasse un arrosage, pour depuis terre irriguée, ou abjoindre. Ou pas besoin et que, ou pas besoin de banane, ou pas besoin de durée, etc. Nous avons même exporté un série de produits que nous gagnons. Moi, je pense que si on a parlé de production nationale, il faut nous prendre ça au sérieux et c'est paysan pour nous encadrer. Merci. Nous prenons la question environnement avec vous. Département Sud, là, par exemple, nous voyons que dans le dernier rapport et que M. RNDDH a mis dehors, c'est que la situation est très, très dure. La question sécheresse. Pour le département, côté de l'eau a commencé à faire sentir le rat. Alors, ou même comme futur sénateur, puisque vous avez souhaité ça, qui ça ou gagné dans l'agenda sur la question environnement, est-ce que ça va pour le moment, ou du moins, vous avez souhaité vraiment que la situation change net? Vous dites ça va pas du tout. Et que Madouma n'a pas parlé d'environnement. Comment on a parlé dans vous, environnement, quand paysan lui-même, et que lui, la gué, en dehors de bras pendiers, et que l'objet chaque jour, c'est bois la couper. Il faut nous freiner la coupe des arbres, sous pas freiner, comme on pourrait parler d'environnement. Et que, on va regarder pour nous pas même une bonne couverture végétale. Par exemple, moi, bon exemple, m'habite à Pétionville, et que pendant m'habite à Pétionville, l'arrivée, malgré qu'il fait chaud, nous en été, et que, ou pas vraiment senti chaleur, mais, tandis que l'eau en province, côté que, ou par exemple le maquin, côté où couper tout pied bois, on sentit vraiment chaleur, c'est tuer la tuyau. C'est pour montrer que l'impact ça gagne et n'a pas reconnu à toute souche au tari, toute souche nous gagne au tari, toute sèche, pour qu'ils aient toute souche sèche, c'est parce que nous n'avons pas de pied bois. C'est que nous n'avons pas de pied bois, toute rivière au sec, pas de pied bois. Parce que c'est parce que nous coupons trop pieds bois. Moi, parce qu'il faut nous faire, je vois la République dominicaine fait, il faut que le gouvernement t'a subventionné et que t'as dit réchauffe les petits chériots pour t'a permettre que nous achetions un bon marché, pour permettre que les paysans lui-même lui aident pour faire d'autres. Pour pas, c'est pas pieds bois la couper pour faire charbon, pour le vivre. Parce que les paysans n'ont pas gagné aucune subvention de l'État. La vie de Rapandji en dehors. Il fait jardin de maïs pas bon, il fait petit mille pas bon. L'obligé, c'est pied bois la couper. Et là, le couper pied bois, ça permet que pas qu'à gagner de l'eau, ça permet que vous jouez et que pas qu'à gagner jardin, pas qu'à gagner rien du tout. Parce que si on a parlé d'environnement, il faut nous commencer par protéger les paysans. Merci. Donc, rapidement, ça qui a gagné avec question éducation. Est-ce que Fritz Gérald Bourjoli a percé la question ça avec des propositions de loi vu à dégradation, si nous avons dit comme ça, système éducatif haïtien. Bon, nous avons des propositions de loi en ce sens, et nous faisons ce que nous pouvons augmenter le salaire professionnel. Parce que si on peut augmenter le salaire professionnel, et que ou pas capable d'éducation, et que faut professeurs formés, et
même l'homme même que le professeur a formé, si chaque jour, si mon nana la rue, la fait grève, professeur pas touché, il pas le fait coup, et que ou pas capable qui bonne éducation parle. Bien le timon la cal composé, il pas jamais qu'à réussir un examen parce que pendant l'année, sur nombre de jours qui viennent prendre l'école là et que il a perdu d'Acadie 75% là-dedans, c'est que timon a tout et programme n'a pas arrivé. Ouais, mais c'est que pour ça et mais c'est tout et système là. C'est le ministre de l'Éducation nationale, lui-même, c'est lui-même qui a baillé le ton, parce que c'est lui-même qui formé dans ce sens-là. Et nous-mêmes, comme sénateurs, il parle, dis-nous, qui cobre besoin et que pour lui mettre l'école, qui cobre besoin pour former professeur, qui cobre besoin pour payer professeur, et nous-mêmes, n'a balé, et tout, si il y a des recommandations, n'a fait, et que si nous avons mal marché, et que nous-mêmes, nous avons tout simplement, ministère de l'Éducation nationale, là, on va de censure, on va de nos confiances, que nous voulons aller pour mettre une compétence. Mais dans la mesure où son ministère est compétence, c'est lui-même qui a fait éducation marché, c'est pas nous-mêmes sénateurs qui parle d'île, mais qui professeur pour le mettre, et que, mais combien l'école pour le mettre, c'est lui-même qui connaît qui, combien l'école pays a besoin, combien de monde qui a besoin de l'école, ça, c'est job ministre de l'Éducation nationale là. D'accord, merci. Nous allons voir quelques questions rapidement, il va gagner 15 secondes pour répondre. D'abord, question de dollarisation, est-ce que Fritz Gérald Boujolé pour, est-ce que il a dollarisé Goudla en Haïti? Je suis contre, c'est pas en question de dollariser Goudla, c'est parce qu'on n'a pas produit rien. Automatiquement, pas produit. On va prendre pour un et que le gain vacances. Après, mon apprentré, fini. Comme abrasé. C'est que on regarde ouais, comme la descente. Et que automatiquement, pas gain l'argent. Et que le bateau a fini, les potes bas où, ou acheter au besoin l'argent. Ou pas besoin de dollars américains pour acheter. Alors que le après tourner, pas gain rien ou vendre ou balayer. C'est que faut. D'accord. Nous allons voir homosexuel maintenant. Et Fritz Gérald Boujolé, pour est-ce que gagne une proposition de loi comme ça qui est introduite au niveau du Parlement, en cas où tu es sénateur? Tu as une tentative déjà dans la Chambre des députés. Moi-même, moi, je dis clairement à un collègue qui t'a parlé de ça, moi, dis pour moi, tout autant que je suis député, la loi ça n'a pas qu'à passer. Et que je n'ai pas aucun problème que si on a plus de testostérone, si on a plus de follicules ou bien ou a plus de testostérone, et que au cas où moi, peut-être, aller dans le sens ou dans l'autre, même pas quoi que nous prenons la société haïtienne pour nous voter des lois, faire des propositions de loi, côté que nous permettre pour nous permettre que garçon, ça va possible. D'accord, merci. Et maintenant, on l'autre question, ça t'a doué, ouais, avec question ou bien commentaire, malheureusement, ou pas gagné vis-à-vis avec vous, mais nous pourrons aller, ouais, dans ça qui est, ouais, avec ça fait connaissance générale, genre que nous-mêmes nous disons déjà dans d'autres émissions passées, ou pareil pour répondre aux questions de connaissance générale de vous sur les aimer. Départements. De vous aimer. Ok. Est-ce qu'on a dit nous, dans qui commune que payant trouvel? Payant. Payant. Dans qui commune département que payant trouvel? Pour la première fois, j'ai entendu parler de payant. Voilà. Alors, pour qu'on ait, c'est que payant trouvel, dans la commune Torbec, entre Campérin et. Torbec, cependant, toute activité est faite au niveau du Campérin, mais politiquement, c'est au niveau de la commune Torbec. C'est une grosse zone, une gros section. C'est quatrième section. Donc là, c'est bien malheureux. On pas visiter zone ça. Non, pas encore. Voilà. Donc merci. Mais jusqu'à avant que vous allez, et n'a pas demandé au même comme candidat pour être capable de vendre raison. Que yon moun ta dû voter comme sénateur de la République en façon pour capable représenter le département sud là. Ou gen yon minute pour faire ça. Une minute. Bon, t'as dit, pendant que député, t'es gon budget, un goumen pour paysan pas payer un paquet de taxes. Et que je dis, si du pas cher, c'est grâce à la bataille que nous te fait. Et nous avons de bonnes propositions de loi que nous pouvons faire. Nous pensons, je dis, si ce n'est pas proposition de loi pour nous faire, pour retirer la population ça, qui est dans la misère, voter de bonnes lois, faire de bonnes propositions de loi, savoir que
et pour nous mettre un bureau à assistance sociale pour permettre que maman petite papa petite avec mon qui pas travailler touche un cop chaque mois dans l'état pour vivre petit yo grand monde qui est 65 ans pas qu'à manger pas qu'à boire pour jeune un cop pour vivre et que et créer une agence nationale pour l'emploi et la formation pour permettre que yo bail mon travail et puis jeune une formation dans l'état parce que nous pas loin et que moi pense que tout que salaire minimum là faut nous et amender et augmenter salaire professeur, augmenter salaire policier, augmenter salaire et employé. Et nous passons tout, il faut nous créer une banque de crédit agricole, faut nous créer une loi sur banque de crédit agricole pour nous joindre l'argent pour faire commerce, pour paysans, pour faire la terre, produit. Et nous avons dit tout, que nous-mêmes, nous avons compté sur honnêteté, sous lutte que nous menons et que sous bataille que nous faisons déjà. Parce que si nous faisons deux mandats, donc 48e et 49e, nous pas quitter au compte nous et parce que nous avons fait un bon sénateur et nous mettons côté sur nous parce que pour le sud nous pas mettre en pile l'argent dans le budget et que nous pas forcer le gouvernement à débloquer pour qu'il y ait un projet fait dans le département de telle sorte que pour aller pour la fête pour la fête pour l'université faite pour nous sentir bien dans le département du sud. Merci Fritz et Gérald Boujoli. Ma bonne 10 secondes Yomo a face à face, vis-à-vis, qui absent, qui sort à Cap Dil, si toutefois elle est là. Bon, si toutefois elle est là, si toutefois elle est là, je dois juste dire que. Si toutefois elle est élu sénateur, même j'avais, je souhaite seulement les pas un sénateur à Boloucho et que qui prend bon problème, même j'ai que, dès qu'on a goûté à Boloucho pour me faire prendre main, pour me faire une attribution, pour nous défendre les intérêts de la population. Merci Fritz Gérald Boujoli. On a rappelé Fritz Gérald Boujoli, c'est candidat pour poste sénateur sud sous bannière fusion. Donc, il était doué en face à Pétion Favard, mais malheureusement qui brillait par absence. Nous remercions Fritz Gérald Boujoli. Nous serons là, mais nous pas candidat, non? Il m'a remercié et m'a dit excusez-moi tout pour voir, tout parce que. D'accord. Vambabon. Merci, donc, le fait que tu es là. Alors, nous avons dit tout le monde, songez que tu as suivi Haïti Décision 2016 et nous avons gagné Fritz Gérald Boujoli, candidat pour poste sénateur sud sous bannière Fusion. Rete branché sur différentes stations radio et télé, puisque programmation eux-mêmes, yo a continué.